لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. الله تعالى وبركاته. أعتذر لم أنتبه للصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نمر إلى موضوع اليوم إن شاء الله. Ce sera une activité, pardon, une activité. Pardon. Activité de production écrite. Activité de production écrite. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un sujet en relation avec Antigone. Nous savons que Antigone est un personnage donc qui a été présenté comme entêté. Et donc entêté, ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle a en tête. Elle ne change pas d'avis. Elle croit ce qu'elle fait et elle ne veut pas changer. Donc, être entêté, est-ce une qualité ou un défaut? Est-ce une qualité ou un défaut? يعني أن الإنسان يكون عنيد. هل هذا سيدة أم يعني أن ديفو يعني عارف كلمة ديفو بالعربية نسيتها يعني حميد شيء غير طيب أو Je ne sais pas le mot, on va appeler le kelima de l'arabia, le défaut. Haddi, ça y a un défaut en arabe. Faites le sujet. Être entêté, est-ce une qualité ou un défaut? Yani, an yakoun l'insan anid. هل هذا صفة إيجابية أم سلبية؟ إذن هذا هو الموضوع. أنتظر منكم طبعا أن نفهم أولا الموضوع ونقوم بجمع الأفكار التي سنستعملها في هذا الموضوع. إذن هل هذا يعني هي صفة حميدة أم غير حميدة يعني غير مقبولة في رأيكم؟ هل هي une qualité ou un défaut؟ انتظر أجوبتكم. يعني أتمنى لو الحاضرون يشاركون بأفكارهم لأن في كل مرة أنا من يقوم بعمل الموضوع إلا بعض المشاركين وأتمنى أن تشاركوني. الله يخليكم. Donc pas vraiment c'est mes qualités pour moi. Alors pour Ibn Sman c'est une qualité. Yeah. Alors, لكي
يعني نقوم بتحليل الموضوع، وهذا هو المطلوب، وكتابة موضوع حجيجي، يعني إكخير عن تكست أرغيومونتاتيف. لكي نقوم بذلك لابد أن يكون عندنا فقرتين، الفقرة الأولى والفقرة الثانية. الفقرة الأولى يجب أن تكون تيز، يعني لا تيز، يعني اللي هي موافق مع أنها اون كاليتي. وفي الفقرة الثانية ستكون لونتيتيز، يعني يكون الضد، ضد الفكرة، سيت ديفو. دائما نرى متى يكون هذه الصفة، يعني اتر اونتيتي، متى تكون اون كاليتي ومتى تكون ان ديفو. يعني نجد لي سيتياسيون بيان لي ايدي كي فون l'entêtement, qualité, et bien sûr aussi les cas ou les situations quand l'entêtement devient un défaut. Et à la fin, bien sûr, lorsqu'on arrive à la conclusion, c'est là que nous allons exprimer notre point de vue et dire voilà, donc, même si c'est une qualité pour les uns, pour moi c'est un défaut, ou bien même si c'est un défaut pour les uns, pour moi c'est une qualité. Alors, on a qu'un mouchkel fait ça, c'est une espèce de jamais. أتمنى من الحاضرين أن يجيبوني لأني لا أعرف هل يصل صوتي أم لا، أو أن المشكل فقط عند الهاتف. أستاذ أمجد، هناك صوت أم لا؟ Impeccable. Ça veut dire que le son est bon. D'accord. D'accord. السبورة، ما بها السبورة؟ هل هناك مشكل في السبورة؟ السبورة عليها الموضوع مكتوب être entêté est-ce une qualité ou un défaut. هنا عندنا فقط موضوع الذي سنقوم بكتابته. وعليكم السلام يا أستاذ أمجد. D'accord. Ok. Bon, alors, Nara, Eden, Mata Yakoun, l'Inad, Sefa Jaïda, wa Mata Yakoun, Sefa Rer Makpoula. Dan Nabda bi Jamal Afkar, Hatsa Nakoun bi Kitabat Al-Mawdou. Dan Mata Yakoun, quand est-ce que l'entêtement est une qualité? C'est une qualité. Là, غير معقول لأني انتظر منكم المشاركة يا جماعة. عندي هنا تقريبا 6 حاضرين: تسنيم، الهادي، ريم، ميدو، وإبلو ماكس. فعلى الأقل كل واحد يحاول يكتب فكرة. تسنيم من فريق التسجيل. طيب، يعني والباقي لو سنرى إن كان من كاليتي إتر يلا عندما يكون إن كاليتي لا لا علاقة لها يا إبلو ماكس. Entêté est une qualité parce que je suis beau gosse, non.
ça ne veut rien pas la cela. Entêté est une qualité. Alors, Metzat, ça compte une qualité. Metzat, ça compte une qualité. Pour négocier. OK. Pour négocier. Négocier quoi, par exemple? Le prix. Ah, pour négocier le prix. D'accord. Par exemple, pour négocier un prix. Négocier un prix. Alors là, si on change pas d'avis, c'est-à-dire on reste sur notre avis, on va peut-être gagner. On va peut-être gagner. Oui. Bon, peut-être. Dans quel cas être entêté est une qualité? Quand est-ce, lorsqu'on est vraiment obstiné, entêté, c'est une qualité. Alors, une personne entêtée, c'est une personne, quand elle se met quelque chose en tête, elle réalise son but. Donc ça, c'est une qualité. Réaliser son but. Oui. Réaliser son but. Donc là, c'est une qualité. Une personne entêtée est une personne qui peut, par exemple, on a dit qu'il peut atteindre son but. Qui peut répéter plusieurs fois une chose jusqu'à réussir, donc qui peut réussir grâce à son entêtement. Une personne entêtée est une personne qui, par exemple, peut gagner aussi. Alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais essayer de continuer quand même, mais si on ne m'aide pas, je ne vais pas pouvoir continuer parce que je suis déjà fatiguée et j'essaie de faire ça pour vous. Alors, j'aimerais qu'on m'aide un petit peu. Bien sûr, je suis le professeur. Bien, alors, on continue. Bien, alors, on peut gagner, on peut réussir, on peut réaliser son but, on peut négocier. Un prix. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme lorsqu'on est entêté? On peut avoir confiance à une personne entêtée. On sait que cette personne-là, elle ne va pas changer d'avis, qu'elle va tenir sa parole. Donc, on peut avoir confiance en cette personne.
part, on sait qu'elle ne va pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'on a aussi comme qualité de quelqu'un qui est entêté? Allez. Une production écrite, ça se travaille ensemble et j'attends la participation de Rim, la participation de Mohamed El-Hadi, de Ibn Luxman, qui encore sont présents. De Motia aussi. Bonjour Motia. On continue. Donc c'est une qualité dans le cas, dans le cas où nous avons vu que quelqu'un d'entêté, il peut négocier un prix. Il peut réaliser son but, il peut réussir, gagner. Il peut aussi, on peut avoir confiance en cette personne car on sait qu'elle ne va pas changer d'avis. Bon, et c'est un défaut. Quand est-ce que ça devient un défaut? Être entêté devient un défaut quand متى يصبح العناد صفة غير يعني صفة سلبية être entêté devient ou est un défaut. Discuter avec ses parents, qu'est-ce que cela veut dire, Motia? C'est-à-dire lorsque, lorsqu'on soit, on ne soit pas, c'est-à-dire on n'a pas raison et on, malgré ça, on continue à ne pas changer d'avis. Hein, c'est un défaut parce qu'on, oui, bon. On sait qu'on n'a pas raison, on sait qu'on est sur la mauvaise voie, mais malgré ça, on continue à ne pas changer d'avis par entêtement seulement. Then, عندما يكون الإنسان ليس على حق مخطئ ومع ذلك يستمر في عناده ولا يريد أن يعترف أنه مخطئ. Donc, une personne entêtée qui ne veut pas reconnaître celui qui ne veut pas reconnaître reconnaître qu'il a tort. Oui, alors celui qui ne veut pas reconnaître qu'il a tort. Matsa Aiden, Yumkin, Anna Saber, Lainad, Sifa Rer, Mahmouda. Anmarjou, An Tsatin, Tsatouni, Al-Afkar. أنتظر أفكاركم. العناد أيضا
يمكن أن يضيع على الإنسان بعض الفرص كمثلا فرص مثلا النجاح أو مثلا في أشخاص في العائلة مثلا العناد قد يكون سببا في تخاصم إما أفراد العائلة أو الأصدقاء. L'entêtement peut être la cause d'une dispute entre les membres d'une même famille ou bien entre les amis. Donc, lorsqu'il vient, la cause de la séparation. La séparation. سبب في افتراق أصدقاء أو افتراق أشخاص من نفس العائلة فقط لأن كل واحد فيهم لا يريد أن يتنازل للآخر فقط بالعند لا ولا يريد أن يعترف أنه مخطئ. Oui, alors oui, donc entêter est un défaut lorsqu'on prend des décisions fautives dès le départ. Oui, donc lorsqu'on prend une mauvaise décision, une mauvaise décision. Décision. رغم أننا نكتشف أنها كانت يعني قرار خاطئ إلا أننا نستمر في عنادنا لكي لا نعترف أننا مخطئون. نعم متى أيضا يكون العناد un défaut. نعطي مثلا مثال أنتيغون. أنتيغون كانت عنيدة وعنادها أدى بها إلى الموت. يعني العناد يكون un défaut عندما يؤدي بنا إلى شيء غير محمود. يعني donc on peut dire que quand le résultat de l'entêtement est négatif, par exemple néfaste. Donc ça aussi, l'entêtement est un défaut. Donc, et ainsi de suite. Alors, essayons maintenant d'écrire une introduction. Essayons d'écrire une introduction. Donc, pour voir, لتقديم هذا الموضوع يمكن أن نبدأ بإعطاء مثال أو بإعطاء يعني تعريف لـ entêté. Une personne entêtée, c'est une personne qui ne veut pas changer d'avis facilement.
Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que c'est un défaut ou une qualité? Alors, une personne entêtée est une personne qui ne change pas d'avis facilement. Est-ce une qualité ou un défaut? Donc, ça peut être notre introduction. Alors, une personne est celle qui ne veut pas changer d'avis facilement. Est-ce une qualité ou un défaut? Donc ça, c'est une phrase introductive. Nous commençons notre développement. En effet, beaucoup de personnes lorsqu'ils prennent une décision, c'est rarement qu'ils changent d'avis. Cela peut être une qualité car ces gens sont capables de faire l'impossible pour atteindre leur but. C'est une bonne chose car ces gens sont capables de faire l'impossible pour atteindre leur but. Oui. Donc, est-ce qu'on peut ajouter? Donc, je vois pas Mathia qui est en train d'écrire. J'aimerais voir ce qu'il va présenter comme idée. Peut-être que nous pouvons l'utiliser. Oui, j'attends. Oui, alors j'attends Mosia jusqu'à ce qu'il termine d'écrire pour voir donc l'idée qu'il va nous présenter. Moi, je n'aimerais pas écrire le texte moi-même. J'aimerais utiliser vos phrases et vos idées. Ce soir, je vois qu'il n'y a pas de participants, il n'y a personne, sauf Mathia, bien sûr. Alors, j'attends toujours. Sinon, on continue. Alors, on a dit que ces personnes, ils peuvent réaliser leur but, ils peuvent réussir, ils peuvent gagner, et on peut avoir confiance en
ces personnes, bien sûr. Donnons l'exemple, par exemple, des joueurs de football, des grands champions. Ce sont des personnes très entêtées parce qu'ils veulent réussir, parce qu'ils veulent arriver, parce qu'ils veulent gagner. Nous pouvons donner l'exemple des grands joueurs des grands champions, c'est mieux, des grands champions qui, grâce à leur entêtement, ils arrivent en tête. Ils arrivent à gagner. Et à être toujours toujours les meilleurs. Les meilleurs. Donc ces grands champions, s'ils ne sont pas entêtés, ils ne vont pas toujours gagner, ils ne vont pas toujours être les meilleurs. Donc ça, c'est une qualité. Dans la vie quotidienne ou dans la vie de chaque jour, nous trouvons par exemple les entêtés peuvent acheter pour ainsi être entêtés et se réussir dans la vie et être utile pour les gens qui nous entourent. Oui, hein? Oui, c'est une bonne. Si vous voulez, c'est une bonne constatation de ce premier paragraphe. Donc, on peut donc conclure ce premier paragraphe par cette idée de Motia. Je vais l'utiliser. Donc, ainsi, être entêté. Donc, je vais corriger la phrase. Ici, être entêté, c'est réussir dans la vie et être utile. Être utile pour les gens autour, car on peut compter sur la personne entêtée, car on peut compter sur cette personne et on peut avoir confiance en elle, car on sait qu'elle va changer d'avis. Si être entêté, je vais corriger être entêté. C'est réussir dans la vie et être utile pour les gens qui nous entourent. Parce que qu'on a confiance
parce qu'on a confiance en ces personnes et nous savons, car nous savons qu'ils ne vont pas changer d'avis, car nous savons qu'ils ne changeront pas d'avis ou qu'ils ne manqueront quelle personne, qu'elles ne manqueront pas à leur parole, qu'elles ne changeront pas d'avis et ne manqueront jamais, jamais à leur parole, leur parole. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire à propos des gens qui sont entêtés et que c'est une qualité pour eux. Donc, une personne entêtée est celle qui ne veut pas changer d'avis facilement. Est-ce une qualité ou un défaut? Donc, c'est une question à mettre un point d'interrogation. En effet, beaucoup de personnes, lorsqu'ils prennent une décision, c'est rarement qu'ils changent d'avis. Cela peut être une qualité, car ces gens sont capables de faire l'impossible pour atteindre leur but. Nous pouvons donner l'exemple des grands champions qui, grâce à leur entêtement, ils arrivent à gagner et être toujours les meilleurs. Ainsi, être entêté, c'est réussir dans la vie et être utile pour les gens qui nous entourent parce qu'on a confiance en ces personnes, car nous savons qu'ils ne changeront pas d'avis et ne manqueront jamais à leurs parents. Cependant, et ça c'est la deuxième partie, cependant, l'entêtement peut être un grave défaut, peut devenir un défaut grave ou un grave défaut, donc un défaut grave si la personne entêtée ne veut pas changer, ne veut pas changer d'avis dans une situation où elle a tort. Aussi, il existe. Alors, Ashraf dit ne pas écouter l'opinion des autres, même si c'est sur la ligne. Ah, oui, bon, j'essaie de comprendre. Donc, oui, ne pas vouloir écouter l'opinion des autres, même si c'est sur la ligne, ça veut dire que même s'ils ont raison. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Cependant, l'entêtement peut devenir un défaut grave si la personne entêtée ne veut pas changer d'avis dans une situation où elle a aussi, elle ne veut pas
Donc, je vais prendre l'idée de Ashraf et je vais l'écrire. Elle ne veut pas écouter l'opinion des autres, même s'ils ont raison, même s'ils ont raison. Oui, c'est ça. Donc, la conséquence, dans certains cas, peut être très dangereuse, peut être très grave. Oui. Pour cela, peut mener a des conséquences. Oui, cela peut avoir des résultats négatifs sur nos décisions, sur notre avenir aussi, pas seulement notre décision, mais sur l'avenir aussi. Cela peut mener, ou alors je vais prendre les paroles de Motia, cela peut avoir des résultats. Résultat négatif sur l'avenir de la personne. Comme par exemple, on peut rater une carrière, il peut rater un avenir, il peut rater beaucoup de choses à cause de l'endettement. Il peut faire un mauvais choix. Oui, cela peut avoir des défauts négatifs sur l'avenir de la, des, par exemple, des résultats négatifs sur l'avenir de la personne, car elle a fait un mauvais choix et elle ne veut pas reconnaître. Oui. Donc, nous pouvons aussi, la cause de la séparation, par exemple, donc on peut dire aussi que l'endettement peut même mener, par conséquent, à avoir une vie malheureuse et beaucoup de regrets. Oui, c'est vrai. En conséquence, en conséquence, sa vie sera malheureuse et elle peut avoir beaucoup de regrets. En conséquence, sa vie sera malheureuse et elle le regrettera toujours. Oui. Des fois encore, l'entêtement peut être la cause de la séparation
honte des personnes. Puisqu'on ne veut qu'on avait commis une erreur. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On voudrait ajouter quelque chose? On va le sujet. Et par conséquent, oui, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ou bien on conclut? Bon. Bon, je vois que Mathia est en train d'écrire. J'aimerais savoir ce qu'il va ajouter pour terminer notre sujet. Oui. Bon. Alors finalement, on va voir la fin. Bon. Alors finalement, être entêté peut, selon les situations, selon les situations, peut être une qualité comme il peut être un défaut. Oui, c'est bien, Mathia. Comme il peut être un défaut. Bon, à le téléphone. إذا نستمر قلت enfin être entêté est une bonne chose si on l'utilise dans le bon côté comme dit Tia dans le bien de tous les gens. Oui. Finalement, être entêté selon les situations peut être une qualité comme selon être entêté. On peut mettre une virgule ici, selon les situations, peut être une qualité comme peut être un défaut. On va choisir donc une opinion personnelle. Alors, pour moi, mais pour moi, je pense, mais pour moi, je pense que c'est principalement un défaut. Car ces inconvénients sont le plus fort que ces tous ces avantages. Voilà, donc on va essayer de relire le texte final. Une personne entêtée est celle qui ne veut pas changer d'avis.
ta vie facilement. Est-ce une qualité ou un défaut? En effet, beaucoup de personnes, lorsqu'ils prennent une décision, ça remonte, change d'avis. Cela peut être une qualité, car ces gens sont capables de faire l'impossible pour atteindre leur but. Nous pouvons donner l'exemple des grands champions qui, grâce à leur entêtement, ils arrivent à gagner et être toujours les meilleurs. Ainsi, être entêté, c'est réussir dans la vie et être utile pour les gens qui nous entourent parce qu'on a confiance en ces personnes, car nous savons qu'elles ne changeront pas d'avis et ne manqueront jamais à leur parole. Cependant, l'entêtement peut devenir un défaut grave si la personne entêtée ne veut pas changer d'avis dans une situation où elle a tort. Aussi, elle ne veut pas écouter l'opinion des autres, même s'ils ont raison. Cela peut avoir des résultats négatifs sur l'avenir de la personne, car elle a fait un mauvais choix et elle ne veut pas le reconnaître. En conséquence, sa vie sera malheureuse et elle le regrettera toujours. Des fois encore, l'entêtement peut être la cause de la séparation entre les personnes qui s'aiment, puisqu'on ne veut pas reconnaître qu'on avait commis une erreur. Finalement, être entêté selon les situations peut être une qualité, il peut être un défaut. Mais pour moi, je pense que c'est principalement un défaut, car ses inconvénients sont plus forts que ses avantages. Donc là, il y a une faute. Sont plus, non, ici, sont plus forts que ses avantages. Voilà, donc j'espère que ce cours donc vous a donné une idée sur le sujet, donc comment traiter ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. S'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Moutia.